Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir votre futur achat Steam. Je sais pas si, comme moi, vous êtes fan de roguelike. Moi j'adore ça. J'aime plus trop, d'une manière générale, les jeux solo. Mais les roguelikes, bizarrement, ça match. Et alors, si en plus, on me dit qu'il y a du multi, eh ben là, je suis sûr du banco. Je vous propose donc de découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, Gunfire Reborn, qui, à mon sens, est un ovni qui est sorti il y a maintenant plus de 2 ans, si ce n'est pas plus. Et vraiment, ce qui m'a le plus étonné dans ce jeu, c'est à une période où je trouvais qu'il n'y avait pas assez de suivi sur les gros jeux, pas assez d'updates, etc. Là, pour moi, on était sur un petit jeu, alors que pas du tout très, très vendu de l'autre côté de la planète. Résultat, il a été super suivi, super update, et ils ont fait que de rajouter du contenu, et moi, j'ai fait que de revenir dessus, forcément. On va y aller, on va se faire une petite game pour que vous puissiez voir. Il y a plusieurs personnages qui vont se débloquer, ils ont chacun des compétences, on peut voir, hein, compétences, l'équivalent d'un ulti, l'équivalent d'une grenade. Je ne vous propose pas de vous spoiler tout ça. Ce que je vais faire, je vais jouer le perso de base pour que vous puissiez vous faire votre idée par la suite si vous vous achetez le jeu ou si vous y jouez. On va se mettre en élite. Pour deux raisons. La première, c'est que en haut, vous pouvez voir, mon level de compte est 159. J'ai quasiment toutes les compétences, donc en normal, je leur déglingue la gueule. Et pour éviter que la game dure trop longtemps, parce que je vais sans doute mourir. Je n'ai pas joué à ce jeu depuis quelques semaines, si ce n'est quelques mois, suite à la release, quand il est passé en 1.0 avec la sortie du dernier perso. Voilà. Maintenant que je vous ai raconté mon histoire dont tout le monde s'en bat les reins, on va pouvoir aller se battre. On peut voir qu'il y a plusieurs mondes sur l'écran de chargement, donc il y a de quoi faire. Et voilà, voilà un peu le setup de base du jeu. Ça va être une arme avec des munitions infinies. Alors, juste en dessous de ma tête, là, on voit qu'il y a plusieurs types de munitions. On va avoir des armes qui vont partager des types de munitions. Dans les choses qu'on va débloquer au début, un coffre qui va nous permettre de faire un choix d'armes. Et vous allez voir, il y a une chier d'armes et une chier de compétences d'armes. Alors, bref, vous verrez, on va avoir le talisman comme des parchemins, les kunai pour jouer à la Naruto, ou le croque-double qui va permettre de faire des attaques de plusieurs éléments. Je vais commencer par ça. Et très succinctement, avant d'aller, je vous montre la grenade. C'est un fumigène qui fout du poison, qui dote les gens dedans. Et mon ulti, c'est une boule qui va complètement immobiliser la personne touchée et je crois qu'avec les upgrades les personnes autour, j'ai un doute. Let's go. Après, très simple, sauter et on a un dash. Ouais, on en a qu'un, j'avais un doute. Et alors, vous allez voir, la DA est incroyable. Alors le bruit qu'on entend, c'est les coups critiques. Petite tape amicale sur la bestiole pour reload, c'est important. Alors, bien évidemment, gestion de level un peu à l'aléatoire. Hein. Attendez, je suis en train de revoir mon DPI, c'est bon. Hop. Alors, on a plusieurs éléments. Oh, ouais, le poisson. Le poisson étant une des armes les plus puissantes du jeu, complètement unbalanced. Ils ont eu du mal à l'équilibrer et je crois que c'est pas encore le cas. Vous allez voir, ça tire. Dès que j'ai coup critique, je crois que c'est tous les 5 coups critiques, je gagne une charge. On va voir, là, voilà, j'ai une charge, la blanche, qui permet de tirer un gros shot qui fait super mal. Qui fait super mal. On va avoir des dégâts élémentaires, comme on peut s'en douter. Hey, salut. Des dégâts de feu, des dégâts de poison, des dégâts électriques. Et je crois que c'est à peu près tout. Et l'avantage, par exemple, de cette arme, c'est qu'elle alterne feu et poison. Alors, ce qu'on appelle poison dans ce jeu, ça va être l'affaiblissement. Alors, hop, voilà. Ça fait des dégâts aussi. J'avais oublié de le dire. Ça fait des dégâts. Voilà. Là, on peut voir, par exemple, j'ai... mes deux armes utilisent le même type de munitions. Ok. On pourra porter 2 armes en plus de l'arme standard, hein, dont on ne pourra pas se défaire, qui entrera en dégâts petit à petit au long de la game, pour pas qu'on soit complètement à poil si elle fera toujours un peu mal, mais sans être complètement folle. Et là, on va avoir notre premier parchemin. Vous allez voir, il y a plusieurs choses qui vont se brader. Légendaire, 100% de dégâts reçus, mais les dégâts reçus, chaque coup ne dépasse pas 14% des points de vie totaux. Et j'aime pas du tout ce parchemin. Je le prends. Bien évidemment, on pourra voir un peu là où ce qu'on a ici, mais c'est surtout ça que je voulais voir. Là, on peut prendre le temps de regarder ce qu'elles font. On va avoir des affixes complètement démentielles sur les armes, hein, qui vont
qui vont s'additionner, etc. Là, on a l'arbre de compétences. J'allais y venir, mais en gros, on va monter de level en plus d'avoir les parchemins. Et là, si j'ai envie, je peux le drop. Quand on joue à plusieurs, alors ce qui est déjà pas trop mal, c'est que chacun prend son perso et c'est cool. On peut avoir des doublons, mais bon, ils sont tous différents. Hop, c'est la petite grue. On voit les dégâts. Yes. Ce qui va être intéressant, c'est un peu de se donner les parchemins en fonction de ce qu'on a pris comme build un petit peu. Sachant qu'on va aussi tomber sur des parchemins maudits dont on ne pourra pas se séparer et qui vont nous donner des malus. Et là, on level up. Merde, level up. Alors, je regarde 40% de dégâts en plus de foudre. Ça peut être pas mal, sachant que je n'ai pas d'arme de foudre. L'orbe inflige 200% de dégâts et 50% de chance d'exploser deux fois. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est bien aussi. Je vais prendre ça. Alors, sachez que je ne suis pas du tout un joueur de ce personnage-là à la base. Donc, je sais à peu près comment le build pour être un fifou. L'ennemi... Les ennemis explosent en mourant. Super. Ça va être cool. Hop. Je pouette. Lui, là-bas. Oh, dans le mur. Bien joué. Donc, je sais à peu près comment le build, mais c'est pas du tout ma tasse de thé. Il y a un perso cac un peu dans le jeu que je trouve vraiment très agréable à jouer. Qui en plus n'a pas du bouclier mais de l'armure, qui se gère pas du tout de la même manière, donc c'est assez cool. Alors les coffres rouges généralement me donnent plusieurs choix et on n'est pas obligé de les utiliser. Alors soit je perds de la vie qu'on pourra regagner, hein, je vous rassure, je vais pas mourir pour obtenir de la moulaga, soit pour gagner un parchemin normal aléatoire. On va prendre le parchemin, ça me semble être mieux. Capacité de mission doublée, on prend, mais c'est pas non plus pourquoi ça a pété, je sais pas. Hop, c'est pas grave, allons-y. Et donc, quand on joue à plusieurs, c'est un beau bordel, ça pète dans tous les sens. Le jeu est assez dur pour qu'on se dise... parce que là même, vous voyez même... merde, il va exploser. Même en n'étant pas dans la difficulté de base, je leur casse la gueule. Hein. Mais en vrai, les levels qu'on va mettre dans l'arbre de compétences hors le game, donne... Mais je vais arrêter de jouer ça, c'est un peu fort. On va prendre ça là, hop. Donne une vraie montée en compétence, en puissance, ce qui fait qu'au début, à vrai dire, le premier boss, la première fois que je l'ai vu, là, il m'a dessoudé plusieurs fois avant que je sois en capacité de le tuer, ce que j'ai trouvé assez chouette, et ce qui fait que tous les boss ont été un peu paliés et m'ont obligé à farmer, et ça donne un intérêt à jouer avec ses potes encore plus souvent. Alors faut faire gaffe à ces petits portails qu'on retrouve sur les murs, parce que c'est eux qui vont nous permettre de... Oh, j'ai failli crever là, ouais. C'est eux qui vont nous permettre de débloquer plus de parchemins, entre autres. Ah, attention à Albert. Hop, vas-y, fais ta vie avec ton bouclier, y a pas de problème. Hein. Sinon, tu fais ça. Ouais, hop. Voilà. Tu es cet ennemi, c'est mon dada. Parce que c'était un cheval pour ceux qui l'ont pas remarqué. La meilleure des blagues. Hop, allons-y. Qu'est-ce que c'est? 10% de dégâts infligés à chaque que vous tuez. Ah, c'est très très bien ça. Ça, c'est très 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 bien. Allons-y. Parce qu'on va avoir des boss et des élites en plus des boss. Hop, petite grenade, je suis full. Ok, mes grenades sont pleines. Et toujours à la fin des levels, en fait, un parchemin de montée de niveau. Ça peut être sympa, ça peut être sympa, parce que les effets élémentaires, si je me trompe pas, mon cher Watson, c'est quand je lance ma grenade, il est sous effet élémentaire. Donc, allons-y. Alors, parfait. Là, c'est des vagues de monstres à tuer. Et donc, comme je disais, le jeu a vraiment été... Mais en fait, je suis vraiment un enfoiré, j'ai repris cette arme. Je vais la drop. Je vais prendre une arme autre, complètement. Ah ouais, mais ça c'est trop lent pour eux, ce type d'ennemis. Eux ils foncent vers moi pour me péter dessus. Et comme dirait mon papa, ils vont péter que ça pue, hein. Genre quoi? Ouais. Bon, si vos parents avaient aussi des expressions de quand vous étiez gosse, que vous aviez l'impression que c'était un mot en un seul, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je m'en délecterai. Dans le même genre que t'as pété que ça pue. J'avais vraiment l'impression que c'était un seul mot. Me demandez pas l'orthographe. Il y avait... Le soir, il y a au lion d'or. Et j'ai toujours cru que c'était un lion en doré. Non, c'est juste... c'est l'heure d'aller te puter, hein, gamin. Voilà. Hop, toi tu meurs. Et donc, je disais, avant de raconter ma vie inutile, j'aime bien raconter ma vie. Ça vous donne l'impression que je suis un être humain, alors que je suis juste un robot.
Ah. Alors il y a un perso qui a un sniper, il y a un perso qui a un sniper, il y en a pour tous les goûts. Comme je disais, il y a un cac. En vrai, il y a deux cacs maintenant, il y a un tank, il y a un sniper, il y a un bourrin. Le bourrin est peut-être le moins bien fait, à vrai dire. Et donc, comme je disais, il y a des updates, et ce type de map n'était pas là du tout au début, des maps de survie un peu. Et c'est cool, il y a vraiment eu beaucoup d'ajouts dans ce jeu. Je pense que là, ils se sont un peu calmés parce qu'ils ont sorti donc la 1.0 il y a quelques mois. Mais en vrai, il y a encore eu des patchs avec des nouveaux parchemins, ce genre de choses. Mais moins de patchs. Ils doivent soit bosser sur autre chose, soit vraiment préparer un gros truc. Mais une chose est sûre, il y avait vraiment eu beaucoup de taf. Des nouvelles armes régulières, donc c'est chouette. Les armes étant pas toutes disponibles au début, on va devoir les débloquer de certaines manières qui peuvent être agréables pour ceux qui aiment bien se faire chier à tout débloquer. Je crois qu'il y a encore une arme que j'ai toujours pas. J'ai un doute si je l'ai débloqué ou pas. Mais il faut tuer, par exemple, tuer certains ennemis avec des attaques de feu, ce genre de choses. Ça donne des raisons de run. Faire des runs. Alors là, on a un boss, enfin un élite plutôt, qui a pop. Hop, on va lui mettre ça. Ouh, il prend bien la dose là quand on fait ça. Il va là, fonce. Ouais. Là. Il est enflammé, empoisonné. Hop, tu bouges pas. Si je me gourre pas, on joue jusqu'à 4 en ligne. Alors clairement, j'ai arrêté de jouer avec des randoms. Pour la simple et bonne raison, on est sur un full PVE. Et les mecs trichent quand même. Je tombais sur un mec, une fois. Il tirait n'importe où. Toutes les balles arrivaient à target. Donc c'était n'importe quoi, hein, clairement. Et le mec a réussi à perdre au boss de fin, ce qui m'a vraiment saoulé. Il y a ce côté, genre, mais comment en trichant avec un auto-aim complètement démentiel. Parce que après, t'en as plus rien à foutre. Tu prends une arme qui fait des gros dégâts, mais qui est difficile à target, et puis tu t'envoies la sauce. Je lui ai mis un message à la fin, un peu agacé, en mode, mais comment tu peux perdre, espèce de gros espèce de gros con, alors que t'es... Alors là, voilà, lance roquette. Oh, il reload super vite, et là, lance-grenade. On va prendre lance-grenade. Peut-être que j'aime bien. Alors, je suis encore en train d'utiliser les mêmes munitions, c'est chiant. J'aime beaucoup ce flingue de feu, il est assez agréable. Il est précis, il fait de gros dégâts. Les critiques sont généralement assez puissants avec. Je crois que j'ai pas ramassé un truc, hein. Ouais, clairement. Et là, on a un triple parchemin. Alors, 50% de chance, tir chanceux. Les tirs chanceux, c'est l'équivalent de coups critiques. Je sais pas s'ils font plus de dégâts que les coups critiques ou pas. Je crois pas. Mais qui peuvent proc à n'importe quel moment. Ah, alors ça c'est plutôt pas mal, parce que j'ai un perso qui a beaucoup de boucliers, PV max limité à 1, mais bouclier doublé, bref, on va voir. Ah, et je passe à 3 rues, hop, regardez, j'ai 1 PV, 220 shield. Alors, le problème, c'est que quand j'ai plus de shield, en gros je meurs à instant, hein, y a pas de truc, mais c'est pas mal, parce que j'ai un personnage qui à la base est vraiment basé sur le shield, donc... on va faire en sorte que de pas mourir. Et ici, on a le colporteur qui va être un peu notre pote à qui on achètera du matos. De la vie, munitions, grenades et des armes. Il y a des trucs pas trop mal. Ça, c'est fort, illusion. Le dard aussi. Des dernières armes sorties, j'aime pas beaucoup. On va prendre une illusion. C'est juste une illusion qui tire et qui accélère. Donc, qui fait vraiment... Qui DPS. Ça, c'est un truc, c'est fait pour casser des gueules. Je suis pas allé voir ça. On va y aller. Ah, bah, il y a aussi Albert Upgrade. J'ai rien vu. Alors, donner une arme aléatoire. Remplacer une description normale. Inscription rare. Ok. Hop. Il y a que ça. Ah, oui, celui-là, j'ai pas d'inscription dessus. Vous êtes sérieux? Si, je veux. Non, il veut pas. Ah, l'inscription, ça doit être que les vertes. Allez, pouette. Ok. Alors. Moi, je lis pas tout, à vrai dire, sur les armes. Je suis un peu un gros feignant. Là, on peut améliorer ou graver. Et là, je rajoute un tir chanceux. Putain, enfin, un truc. Et que j'aurais pu switcher chez l'autre. On va l'upgrade au passage. Très bien. Très bien, très bien. Hein, on va faire comme si j'avais pas fait dans le mauvais ordre. C'est pas bien grave. Vous allez finir par connaître mon envie de lecture. L'ennemi touché par les grenades fumigènes explose à mort. Ça, on a déjà vu. Vitesse de recharge bouclier de plus 30% pendant 6 secondes.
Ah ouais, parfait. Hop, on prend ça, parce que forcément, vu qu'on a plus de vie, alors si je me sentais vraiment en danger, je dropperais le parchemin, mais on est là pour s'amuser, donc je vais le garder à la vie, à la mort. C'est pas un ennemi, c'est juste le colporteur. Hop. Oh, pardon. Et alors ce qui est pas mal, c'est que, comme je disais, il y a un perso un peu de cac, c'est qu'avec le temps, surtout, ils ont rajouté des armes de cac. Ah oui, bah si, je l'ai, l'arme dont je pensais tout à l'heure. Tous les 5 tirs, la prochaine balle inflige 50% de dégâts supplémentaires. Très bien, infligé des dégâts de foudre suite toutes les 12 minutes. Vas-y, je prends et je prends. Je m'en fous, moi je joue parchemin. Qu'est-ce que j'avais en tête? Ah oui, en bas, on peut voir sous ma barre de vie mes perks et on voit le... Enfin, mes upgrades momentanés, on va dire. Et comme j'ai buté un élite, j'ai 10% de dégâts en plus, vu que j'ai un stack. Et ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Parce que dès qu'on commence à avoir des élites rapidement, parce qu'on en a pas tout le temps, hop, 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 et ben ça permet quand même de bien le péter la gueule. Et donc, je disais, ils ont mis il y avait le mec de cac qui est arrivé, c'est cool. Et puis après, ils ont mis des armes de cac. Et ça a rendu le jeu très fun aussi. Alors bien sûr, hein, quand on monte la difficulté, on va aussi avoir la douleur d'apprendre qu'on peut se faire one-shot quasiment. Si on fait pas gaffe, hein. Il y a des ennemis qui font très très mal dans le jeu. Donc il faudra toujours faire... le lancer sur le bouclier. Le meilleur de meilleur des meilleurs lancer. Eux, par exemple, tout ce qui est sniper font super mal. Ah yes, on prend une. On n'a pas encore un peu testé ça, on y va. Oh les dégâts de merde. On prend l'arme d'Iron Man. On prend. Raté. On prend l'arme d'Iron Man. Merci. Hop. Voilà, donc ceux qui aiment les Marvel, jouez ça. L'avantage, c'est que c'est très précis. Ça fait pas des lourds dégâts. Mais c'est très 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 précis et ça change pas de trajectoire, y a rien qui se passe quoi, hein, ça tire tout droit. Ok, on éclaire la salle. J'aimerais juste voir un truc. Qu'est-ce que c'est? Ok. On est dans le portail. Je crois que le logo veut dire qu'on va se faire péter la gueule. Mais non, c'est une blague. C'est très drôle, dites donc. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc qui me bloque. Ok, c'est ça. C'est ce que je pensais, ce serait un élite. Bah, parfait, hein. Je vais pas tortiller du cul pour le chier de doula. Là, monte ta tête. C'est ce qu'on veut. Les dégâts. Voilà. Ça dégage. L'avantage, c'est que quand ça meurt, tout le monde dépop. Alors, l'Argus, il est marrant. C'est l'arbalète cassage de gueule. Ça fait très très mal. On dirait un fusil à pompe. Et ça, c'est... Ouais, c'est un fusil auto avec un pompe un peu. Voilà, je vous montre un peu les armes au passage. C'est sympatoche, mais c'est pas mon arme préférée. On a passé un deuxième stack de dégâts en plus. Et ça, c'est très très bien. Pour chaque parchemin maudit, posséder, gagner plus 15% de dégâts d'armes et plus 20% de dégâts de compétences. Donc, il y a quand même... Voilà, si vous avez des parchemins maudits... Il y a moyen de péter des gueules. Non... Quoi que, attends, moins 50% de PV max, ouais, c'est très bien ça. Si. Mesure de sécurité effectuée, une rouille après avoir été blessé, rien à foutre. On prend ça, ça me baisse de 50% mes PV. Bah, je suis à 1, donc si tu me baisses vraiment, c'est que je suis dans le décès, hein, donc non. Et maintenant, je gagnerai plus d'argent, parfait. Juste, j'avais dit que je montrerais, donc celle-là, ta-ta-ta-ta-ta, et c'est une arme façon. Voilà. C'est une arme façon Borderlands, on la lance quand on l'a, quand on fait le clic droit. Certaines armes ont une deuxième compétence, pas toutes. J'avoue personnellement adorer les jeux qui proposent des armes alternatives, des actions alternatives d'armes plutôt, on va dire. Je trouve ça toujours intéressant. Le jeu qui m'avait le plus, interloqué comme ça, c'était Painkiller au début, parce que clairement, quand vous avez le choix entre fusil à pompe et tir de glace ou mitraillette et lance-roquette, je trouvais très. Enfin, je crois que c'est roquette ou grenade. Je trouvais ça très intéressant de mettre des duos qui changeaient tout en fait, qui n'étaient pas juste d'un côté où il y avait le fusil à pompe et de l'autre, c'est la mitraillette. Parce que c'est pas très intéressant ça. 25% de dégâts élémentaires lorsque vous déclenchez un effet élémentaire, celui-ci se transforme en... Ah oui, vas-y, je prends. C'est bien de toujours acheter des perks. Utilisez les compétences secondaires, ça me donne une chance de doubler le nombre de... Ouais, vas-y.
Ici, Pupi, c'est un fusil à pompe. Et Porc Epic, c'est un fusil à pompe empoisonné, en gros. Celui-là, électrique. Qu'est-ce que j'ai comme arme, déjà? Attends. Bon, ça, je vais le garder pour le boss. Et ça, je vais pas le garder pour le boss, c'est de la merde. Hop, le Porc Epic, j'aime bien. Parce qu'en fait, c'est très, très, très précis. Et ça explose. Ce qui permet de faire des tirs à longue portée plutôt agréables. Je vais le graver. J'ai pas beaucoup d'argent. Je vais pas le graver. On va plutôt améliorer les deux. Parce que là, on a vu... voilà. Hein, des trucs, des machins qui donnent quand même l'impression qu'il va y avoir un problème. Je l'ai touché. On a vu une petite boule violette. Oui, je touche le boss avant, avant le début. Alors c'est parti. Il prend la dose, il prend la dose. Il prend la méga dose. Bien évidemment, les PV se scale hein, à plusieurs, hein, il se fait pas tuer aussi vite. Mais là, je lui ai appris les bonnes manières, hein, clairement. Ah oui, j'ai un secondaire là-dessus aussi. Je suis vraiment navré pour lui et pour sa famille qui nous regarde. Allez, vomis-moi tout ça, s'il te plaît. M'en fous. Alors, qu'est-ce que nous avons? 15% de bouclier de Mermax en utilisant une compétence principale, oui. Je prends. Oh, ouais. On va remplacer ça. Et attaque secondaire. Voilà, très bien. Ça, c'est... On voit des patates. Et là, alors ça c'est le premier fusil à pompe du jeu, je crois. Il est pas, il est pas terrible. En vrai, il est vraiment pas terrible. Moi, je suis un gros joueur de fusil à pompe et j'étais très déçu quand je l'ai vu. Genre merde, mais je voulais foncer dans l'art et tout. Et puis finalement, au début, foncer dans l'art, on meurt facilement. Je crois qu'on a un revive quand on joue tout seul. Alors quand on joue à plusieurs, bien évidemment, on va pouvoir revive ses mates. Plus on tombe au sol, plus le temps de revive pour se faire revive sera. Alors c'est pas le temps quand il active le revive, mais c'est le temps où vous êtes disponible au revive, qui sera court, ce qui fait qu'il faut faire gaffe. Le but c'est pas de collectionner hein, le fait d'être au sol, un peu comme ceux qui me disent « Ah, ça fait la quatrième fois que j'attrape le Covid !» Mec, c'est pas un Pokémon le Covid, hein, tu sais, t'auras pas toujours de la chance avec lui. Hein. Allez, on va y aller à l'épée. Ce qui fait que des fois, on n'a pas toujours le temps de sauver les mates. Alors, voilà, bien sûr, on pourra un peu ramper. Oui, moi je suis le mec au lance-flamme, ils me font pas peur, hein, j'y vais à l'épée. On pourra un peu ramper quand on est au sol, ce qui va permettre d'éviter... des fois, on va pouvoir se mettre à couvert pour se faire revive. Et dans l'arbre des compétences qu'on va avoir entre les... qu'on va débloquer hein, entre les games, on va pouvoir mettre moins de temps pour revive. Et aussi, tout simplement, si vous faites hit pendant que vous êtes en train de le revive, ça cancel pas. Et ça, clairement, si vous voulez jouer avec des potes, c'est un des premiers trucs. Dès que vous l'avez à dispo, il faut le débloquer. Parce que vous allez voir que c'est très frustrant. Il y a tellement de tirs qu'on se fait cancel très souvent par les ennemis si on est vraiment à découvert. Là, typiquement, hein, vu comment je fonce dans l'art, s'il y avait d'autres gens, ils pèteraient les plombs parce que je serais en train de crever, ils pourraient pas me revive. Quoi. Parce que ça m'arrive assez souvent. Hop, une autre arme. Pouette. J'ai plus beaucoup de shield, alors on va... Voilà. Ah, c'est très beau, ça. Ça aussi. Ah, c'est mieux. Ça, c'est moche, ça. Ah, c'est moche, ça. Ça, c'est moche, ça. J'aime pas du tout cette arme, sachez-le. Au cas où on l'aurait pas compris en me voyant jouer. Ah, une autre épée. T'as là, elle tape vite. Elle tape vite. C'est l'épée du dragon. J'ai munitions insuffisantes. Comment ça, munitions insuffisantes? Mais recharge. Ah. Nombre d'utilisation de compétences. Ah oui, faut que je frappe. Je suis con. Je la connais pas bien. Donc on va frapper. Allez, viens là, voilà. Non, c'est pas ça, c'est pas... Ah si, c'est bon, ça m'a chargé une charge. Hop, et ça envoie un bon schlass là. Donc les épées se jouent vraiment pas toutes de la même manière, c'est assez chouette. La dernière épée, elle est assez rigolote. Vous allez voir, elle va me raconter des blagues. Elle a fait mon truc, la dernière épée. Très drôle ça. Non, pas du tout. Pas du tout. On arrête de dire n'importe quoi. Plé. Hop. Allez. Et ça dégage. La diffusion de Random Fusion. Ah merde, y'a un boss. Un collier d'élite apparaît. Parfait. J'adore les colliers de girl. Quoi? Tu veux pas descendre, Albert?
Ah, merci. Hop, vas-y. Gros dégâts. Gros dégâts, j'en chie dans mon froc. On va prendre ça parce que ça, j'aime beaucoup. Confère limité de tous les dégâts pendant une seconde après avoir changé d'arme ou rechargé. Parfait. Il me file encore cette arme, s'en fout. Et ça, c'est le fusil à pompe qui mange les miniciens. Donc c'est trop bien, le fusil à pompe qui mange des munitions. Est-ce qu'on a besoin de se justifier quand on le prend? Après avoir lancé l'orbe, l'énergie plus 300% de dégâts d'armes au prochain tir, inflige 50% de dégâts aux unités adjacentes de la cible. Après avoir tué un ennemi affecté par un effet élémentaire, de cadence de tir pendant 6 secondes. Ok, on prend ça. On fait un peu autour de l'orbe, même si je l'utilise pas beaucoup. Du moins, pas assez. Parce que je l'utilise un peu quand même dans la foulée, parce qu'il est vrai que je l'ai boosté, donc elle fait des dégâts, donc autant en profiter. Voilà, parfait. Dégueulasse, hein. Alors putain, c'est vraiment pas joli. Voilà, ça c'est pas joli non plus. Je vous avais pas montré le kunai, let's go. Arme très précise aussi. Ça rebondit et tout. Ça, c'était mon arme préférée au début. Ça permet de sécuriser les kills à longue portée. Quand au début on essaye juste de survivre. Ah, ça c'est sympa aussi. Let's go. Ça tire, mitraillette, tout ce qui est le plus normal. Puis après, on peut faire ça. Tir alternatif, on pose une marque quelque part. Alors autant vous dire que si c'est dans la tête de quelqu'un, il va prendre du full headshot. En fonction de la trajectoire, hein, le but c'est pas non plus de faire des tirs genre oh, ça va pas dans sa tête. C'était pas trop possible. Ça c'est rigolo. Alors je le prends juste pour vous montrer. T'as un lance feu d'artifice. Et aussi, petite lance. Voilà. C'est assez joli, surtout. En vrai, je crois que c'est un des premiers trucs qui m'a vraiment... en plus de tout l'enrobage incroyable du jeu, parce que plein de choses à faire, les runs sont jamais les mêmes, etc., etc. Le jeu est visuellement incroyable, quoi. C'est très beau. Ça a une DA que j'aime beaucoup, en tout cas, qui me parle, qui me dit « Hello ». J'ai ouvert un portail, on va y aller. Putain. Vous avez fini, monsieur, d'encaisser comme ça? Merci. Hop, juste ça. Pouette. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. Il y en a d'autres, Campbell? Non? Bon, on va laisser ça ici un peu. On va jouer avec ça. Et puis, c'est vrai qu'on a ça. Oh, yes, il y a un élite encore. Alors, les portails, il y en a certains... C'est toujours entre guillemets les mêmes, hein. C'est suivant ce que vous allez voir en arrivant, vous savez ce qui va se passer. Donc là il va pop bientôt, le temps de nettoyer un peu la zone. Tuer ses congénères, il va faire qui a tué mes potes? Bah c'est moi chef. C'est votre tour d'ailleurs, hein. C'est votre tour. Voilà, j'aime beaucoup cette arme, elle est beaucoup trop pétée. Là on a vraiment un MP5, correct. Carrément correct. Les chargeurs sont un peu petits, donc des fois on se dit ah c'est tout. Lorsqu'un ennemi vous touche, projette une épine qui lui inflige des dégâts au corrosif. Les effets que déclenche l'armure. Ok. Ça c'est pas mal parce que finalement on fait plus de dégâts aux gens qui sont sous effet élémentaire. Donc dégâts de feu, plus de 25%, immunité des dégâts de brûlure, rien à foutre. Et bien le mal, 15% de chance de tir chance si vous ne possédez pas de parchemin maudit. Et plus 15 boucliers pour chaque parchemin maudit possédé. Ok. C'était sympa, mais je trouve que ça c'est bien aussi. Alors je préfère aller sur quelque chose que je trouve bien qu'un truc sympa. Pouette, pouette, pouette. Ça dégage. Donc il y a pas mal d'armes quand même à distance, à longue portée. Même si je trouve que c'est difficile à jouer après longue portée. Mais c'est peut-être parce que je laisse les ennemis se rapprocher parce que je aim comme une saucisse. Alors que si je ratais pas... Qu'est-ce qui se passe? Vous perdez... Ah oui. Vous perdez 75% de 1 PV, il veut pas. Et mais il y a beaucoup d'armes pour ceux qui aiment sniper, donc c'est cool. En vrai, il y en a pour tous les goûts. Il y a 3 épées différentes, il y a la lance en plus, donc il y a au moins 4 armes de cac. Allez, vas-y, on bourre là-dessus. Les snipes, donc j'en parle pas, on a vu, il y a celui-là, il y a l'arbalète que j'avais tout à l'heure qui fait des gros dégâts mais qui a des tirs chargés, donc c'est un peu long.
Il y en a encore d'autres, bien évidemment, que je n'ai pas vu sur ce run. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts. Et puis, on peut très bien jouer Snipe avec tous les persos au final, vu qu'ils ont tous des moyens, des compétences. Qu'est-ce que c'est que cette aura là qu'il avait ? Je ne sais pas. Il y a quand même des. Ils ont tous des arbres de compétences assez distinctes et variées. D'ailleurs, il n'y en a aucun qui ait des compétences qui se ressemblent quand on monte de level. Ce qui fait que y a un vrai intérêt à jouer les persos. Il n'y a pas de redites. On retrouve souvent dans les jeux. Alors, on a mis un tronc commun à tous les persos. Là, le tronc commun, c'est celui qu'on va acheter entre les games, qu'on verra à la fin quand je serai mort, que je vous montrerai très très rapide. Encore une fois, le but, c'est pas de vous spoiler trop de choses, mais de vous donner cœur à l'ouvrage et de vous dire, tiens, on savait pas quoi faire la semaine, ce week-end, avec des potes. Et ben voilà, tu nous as donné des TP, hein, des travail à faire, parce que clairement, moi, ma plus grande satisfaction en tant que personne créateur de contenu, hormis le fait... Que ça ne remplit pas mon portefeuille, c'est que ça vide le vôtre. Je trouve toujours très gratifiant quand on se dit, quand quelqu'un me dit, tiens, tu m'as donné envie de jouer à ce jeu, et pour le coup, je l'ai acheté. Alors, je réponds toujours en rigolant, bah, dis-le au dev, hein, moi, je m'en fous, je gagne pas d'argent là-dessus. Mais, bien évidemment, si vous le faites, n'hésitez pas à passer par notre lien Instant Gaming. Mais surtout, voilà, moi je trouve que c'est toujours intéressant, agréable, quand on arrive à faire passer sa passion du jeu. Sachant que c'est très rare qu'on arrive à me le faire à moi, de me dire, tiens, t'as vu ça ? Regarde bien, ouais, tu l'achètes ? Et je suis là, je suis vraiment une tête de lard. Alors, l'orbe énergétique dispose du même type d'éléments que l'arme actuelle, et sa chance d'effet élémentaire passe à 100%, ça peut être sympa. Elle dispose d'une charge supplémentaire, ça c'est pas mal. Mais ça c'est encore mieux parce que la cadence de tir peut vraiment révéler les trous qui n'étaient pas encore apparus sur les ennemis. Allez, on enchaîne, on avance. Allez, ben gang gang. Heureusement qu'il y a la map pour savoir où sont les ennemis. Parce que des fois on se dit, putain, on rentre dans une pièce, on peut se prendre des gros tirs en disant merde, ça vient d'où. Et le fait de la regarder en arrivant permettra toujours d'éviter les décès inutiles comme ça, hein, clairement, parce que ça peut arriver. Surtout quand c'est les snipers. Les snipers adverses sont un peu comme nous. Bah, nous, on fait mal, eux aussi. Ça me convient. Hein, c'est ça quand même vachement mieux si tout le monde a la même puissance de frappe. Oui, c'est vraiment relou. Leur point faible, c'est le dos, donc... Ouais, on va aller faire le parc... Là, de toute façon, ils peuvent pas rentrer, machin. Oh, ok, faut défendre. Allez, boubou, le se bouge, fais attention. Ok, à qui il parle quand il dit ça? C'est très bizarre. Le mec, il est schizo à 400%. Le saut bouge, fais attention. D'accord. Merci de m'avoir prévenu moi-même. Oh bah, y a pas de quoi, toi. Si on était en multi et qu'il avait dit faites attention, pourquoi pas. Mais fais attention, là c'était un peu... Bref, on s'en fout. Ouais, complètement. Complètement. Beaucoup trop de dégâts sur cette arme. Oui. Il y a un parchemin qui est très rigolo, qui dit, quand vous faites des coups critiques, vous passez au travers du bouclier. Clairement, ce serait pas mal. Comme vous pouvez voir, les ennemis ont souvent du shield maintenant, et j'aime beaucoup ce parchemin, c'est le fun incarné. Conformité au ralentissement, rien à foutre, tiens, j'en pense quand les dégâts d'armes causent un effet... Oh putain, ok. Vas-y. Ça me semble être très puissant. Je ne le connais pas à la base, donc... Toi, tu te calmes, Edmond, hein ? Avec ta petite coupe, là. Ta petite coupe au carré de... T'as peut-être à t'appeler Caroline. Carré Caroline, voilà. Voilà où mon imagination est allée. Très loin, hein, visiblement. Je tiens à présenter toutes mes excuses à toutes les Carolines du monde qui n'ont pas de coupe au carré. Si vous en avez une au carré, par contre, vous pourrez juste dire « T'avais raison, Edmond. Vous avez le droit de le dire. » Forcé de constater que, de mémoire, je suis en train de chercher et une des seules carreaux que j'ai connues avait une coupe au carré en plus.
Arrête de raconter ta vie pendant que tu joues. Bon, d'accord. Ça, c'est pas mal. Ça lance une grenade qui attire et qui explose. L'arme spéciale jump plan que je vous bute. Ah, on va pouvoir tester ça. Alors là, je lance des PQ de flammes. Voilà, parfait, super. C'est pas mon arme préférée, mais son avantage, c'est qu'on peut changer l'élément. Je suis en train de chercher la touche. C'est où la touche déjà? B. Voilà. PQ de poison. PQ d'éclair. Alors avec quoi préférez-vous être aux toilettes? PQ de poison, PQ de feu ou PQ d'éclair? Ah, le deuxième gant d'Iron Man. Gant de feu, très puissant. Surtout que là, j'avais pas d'arme longue portée, donc ça me convient complètement. On va pas tortiller du... Hein, pour... vous avez compris. Oui. Oui, monsieur. Alors, ouais, de mettre deux zones d'explosion pour leur donner des dégâts et les effets de contrôle ignorent les barrières. Les ennemis touchés par les grenades fumigènes explosent à leur mort. Mais c'est toujours la même qu'ils essaient de me refourguer. Voilà. Alors c'est marrant, il y a eu le bruit d'avoir pris la compétence, mais j'ai fait un clic droit, donc ça ne l'a pas pris. Tant mieux, parce que c'est celle que je voulais. Alors, l'arme de compétence secondaire transportée doublée, parfait. Ça c'est l'épée qu'on connaît déjà, on a déjà vu toutes ces armes, donc je vais pas y toucher. Par contre, là... Genre là, quand on commence à faire ça, quand on est en plus 10, on sait qu'on va pas trop changer d'arme. C'est dommage. Ça, pour moi, c'est un peu dommage. Alors qu'en vrai, on gagne pas assez d'argent pour se dire à un moment, je vais la revendre. Enfin, je la revends pas d'ailleurs. Je vais en prendre une autre qui est niveau 6, qui a plein de super trucs, mais que je vais devoir upgrader. Donc, ça, c'est un peu pour moi dommage, c'est qu'on va se retrouver à faire des runs avec une seule arme qu'on va upgrader. Après voilà les dégâts à distance, je vous raconte pas si je m'en rapproche. On va pas se rapprocher parce que lui, il a pas envie et il y a une tornade qui me suit. La tornade m'empêche de dash, donc le but c'est vraiment pas de s'en rapprocher. Ok, on va juste... Aïe! Ouh aïe ouïe! Ouh là là! Calmate, gringo! Vas-y, vas-y, donne tout, donne tout, donne tout, donne tout, donne tout. Voilà. Alors, encore une fois, il y a plusieurs difficultés encore au-dessus de celles que j'ai prises, hein. Je vous rassure. Le jeu n'est pas aussi, entre guillemets, simple tout le temps. Alors, c'est tout, hein. C'est pas terrible comme arme. Il y a un autre... Alors, là, ce qui est intéressant, j'aimerais mieux le voir là, les armes commencent à avoir des gémeaux. Et gémeaux, il faut avoir deux fois sur les deux armes la compétence gémeaux pour qu'elle s'active, et généralement, elle va donner... voilà, par exemple, la capacité du chargeur de l'arme 1 et 2 devient la somme de chacun plus 25% de cadence de tir. Donc ça c'est très très sympa comme manière de... Moins 30% pendant 3 secondes, okay. C'est vraiment très cool. Très très cool comme mécanique de jeu. Après, c'est compliqué d'avoir le gémeau qu'on veut sur les deux armes. Bien évidemment, on pourra les changer avec le marchand. Mais j'aime beaucoup. Il y a des gémeaux très puissants. C'est juste qu'on les a un peu tard dans les runs. Je trouve que ça serait mieux d'avoir des gémeaux même bas level. Qui sont pas hyper forts, mais qui permettraient de commencer à gémoter, si je puis dire. Je rappelle, on a toujours le truc qui se stack dès qu'on tue un boss ou un élite, on est à 60% de dégâts avec. Alors bien sûr, il y a plein de parchemins qui... On l'a déjà vu l'arbalète, hein, plein de parchemins qui donnent des gros buffs de dégâts, hein, 50, 60%, ça arrive assez régulièrement. Mais c'est vrai que là, par contre, je leur casse la gueule, quoi. Vraiment, j'ai upgradé
en fumigène, donc autant dire que quand ils sont dedans aussi, ils souffrent. Après, comme je l'ai dit, de toute manière, vu que j'ai que du shield, s'ils passent sur mes PV, je suis insta-dead. Hein, il n'y aura pas de... Dans le temps de recharge, moins 20%, 30, non, non, subi, et plus 30%. Ah oui. Hop. Ça, c'est un petit lance-flamme. Voilà. C'est genre. Et rien. Ah oui, voilà. C'est pendant que je recharge que je vais plus vite. Ça commence à bien combo tout ça. Hein. Ça commence à bien combo. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Hop, allez hop, on y va direct. Ah, pas peur. On n'est pas tombé pour le moment sur. Il y a aussi des espèces d'énigmes, je dirais, d'habileté, des petits parcours à faire, etc. dans ces portails. Ce qui est assez cool. Il y en avait beaucoup au début, beaucoup trop. On sent que. Parce qu'il n'y avait pas d'élite, par exemple, ils ont ajouté ça un peu plus tard. Et on sent que c'était le temps d'eux. Parce qu'on a quasiment plus maintenant de parcours. Et surtout, ils étaient chiants pour certains. Mais l'idée était bien. L'idée était très bien. Juste mal exploitée dans certains levels. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait généralement le parcours standard et un parcours timé un peu plus dur. Qui permettait, dans ce cas-là, si on avait fait le deuxième, bah, d'avoir deux coffres. Ce qui était plutôt pas mal. 30% de chance en consommant deux cuivres. Quand vous réussissez un tir, le cuivre sera remboursé si vous déclenchez un tir chanceux avec succès. Non. J'ai pas envie. J'ai pas envie de perdre trop d'argent. Moi, je suis capitaliste, ok. Alors, bah, c'était tout. Hein. C'était le dernier de cette zone. Il y a un parchemin qui fait vous n'avez plus de dash, mais vous allez 60% plus vite. J'adore quand je le chope, parce qu'en fait, je fais vraiment des runs débiles où je cours tout le temps. Et là, par contre, l'épée, elle est chouette. Enfin, les épées. Mais parce que quel que soit le jeu, pour ceux qui m'ont connu sur Smite, par exemple, j'étais le roi de... Je vais faire un build de vitesse de déplacement. J'aime toujours me déplacer vite dans le jeu. Pour une raison que je n'explique que par mon absence de patience. Je vais mourir. Je vais mourir, hein. Il y a des mecs qui me tartent. Est-ce qu'il y a un... Non. Genre, est-ce qu'il y a un... Non. Mais tu voulais dire quoi? Non. Mais t'es sûr que... Oui. D'accord, parce que... Non. Une autre arbalète. Là, on l'a pas vue. Vite fait. Ah, on voyait que c'était en violet, parce que c'était le même gémeau. Voilà, ça, elle tire plus vite. Donc, c'est un autre snipe. Deux salles, deux ambiances avec l'autre arbalète où il fallait... mettre les carreaux dedans et le faire partir. Après avoir lancé l'orbe, vas-y. J'ai pas peur, j'avance. Alors il faut que je tue surtout lui là-bas. Eux ils font pop des ennemis. Oh la précision du truc, laisse tomber. Voilà, les trucs qui font pop. Faut vite les tuer pour éviter de se faire submerger. Parce que c'est des ennemis qui explosent hein, quand ils nous vont dessus. Donc clairement, comme tout ennemi qui explose quand ils nous vont dessus, bah, c'est pas une bonne idée hein, de les laisser en vie. Ceux qui jouent à Serious Sam connaissent le bruit. Qui nous fait tous peur dans sa sub. Alors là on a un truc bizarre hein, qui tire des gros shots comme ça et après pistolet électrique quoi, c'est un taser tout ce qui est tout normal hein. Hop, merci. Oh là, ça meurt hein. Allez. Alors ça fait quoi de marcher dans les gaz et de mourir après? Dites-moi tout. Dites-moi tout. Moi j'aimerais savoir... Non. Alors une hook. Beaucoup de décès se sont passés suite à un hook de requin. Hein, les mecs ils sont fous. On peut dire que c'est des requins marteaux. Voilà. Hop, on a tué le mec qui fait spawn, le moine. On peut après finir tranquillement ses ennemis comme si de rien n'était. Hop, ouais.
Est-ce qu'on continuerait pas d'upgrader l'arme pour vraiment se dire j'en achèterai pas d'autres. Voilà. Un run, non, quand on fait ça, se termine avec une arme à peu près niveau 15, généralement. Donc on est sur une puissance correcte. Après je dis ça, mais c'est vrai que ils ont rajouté des épisodes que j'ai peu fait. Vu que clairement, moi j'ai beaucoup trop joué au jeu en fait pendant sa période de développement. Ce qui fait qu'il y a eu les dernières updates, j'ai testé, je me suis marré dessus, mais... Et à un moment, voilà, toujours ce moment où on se dit j'ai fait le tour du jeu. Et j'y suis arrivé. Résultat, c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai pas trop testé, comme le décès. Pardon. Et donc, je ne sais, je me rends pas compte de la puissance du level d'armes qu'on peut avoir en arrivant maintenant vraiment à fond. Puis de toute manière, en plus, quand le patch était sorti, on a un peu one shot le dernier épisode qui est sorti. Hein, donc, au moment où on se dit, pas trop de raison d'y retourner quoi. Qu'est-ce que c'est ? Balle lumière. Chaque tir consomme une munition en réserve supplémentaire. 25% de chance de tir chanceux récupère la munition en réserve consommée en tir chanceux. Vous me faites chier avec vos tirs chanceux. Je le prends. Parce que j'adore dépenser plus de munitions. Je vais tellement être en rade. Je vois que munitions bleues, je commence à être mid. Donc. Vas-y, on va prendre une charge supplémentaire. T'arrêtes pas de me le proposer. Il va bien falloir qu'on passe un moment à la caisse, si je puis dire. Des cadavres ici, très bien. Allez. Ah oui, faut faire gaffe. Il se tépait sur nous. Qu'est-ce qui se passe, la musique? T'agites un peu trop là. Calme-toi. La musique a été calme et puis là elle s'est dit oh là là. Lancer la BO des Pirates des Caraïbes. Annihilation totale de la population de ce port. Je vous ai déjà dit de pas l'appeler le port. Mais monsieur, non. Monsieur le port. Niveau 16 d'armes, rien à péter. D'autres armes dans le jeu, j'ai rien à péter, je te dis. Rien à foutre. Les petits crabes là. Ouais, qu'est-ce que c'est votre problème là, les petits crabots? Des petits crabouchons. Yes, la dernière épée. Des gros coups. Et elle envoie aussi. Wow, 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 calmez-vous! Seigneur, Maui, t'es Wes! La tour. Je crois que c'est son nom. Et donc, ouais, on peut aussi envoyer des gros disques là. Je vais envoyer des disquettes dans les ennemis. Ok. Bon, je me fais quand même bien péter niveau dégâts. Alors oui, je les ai ce matin, hein, clairement. Mais je pense que le boss du chapitre va me tuer. En fonction du boss, c'est bien évidemment, il y a plusieurs boss possibles pour chaque monde. Et ça aussi, c'est trop cool. En fonction du boss, il y a de très fortes chances que je finisse en chat cuit. Donc je serai pas un hot dog, mais un hot cat. Voilà, la blague a été set up avec un incroyable... vivacité, on prend cette arbalète qui tire trois fois et une fois. Très agréable, très précise aussi. C'est une arme qu'une fois qu'on la débloque, franchement, on est assez content. Ok, ça devrait être jouable sur ce boss là. Surtout avec cette arme, j'ai besoin d'un truc précis, très bien. Et après, je dis ça devrait être jouable, mais lui il a le don de one shot. C'est un don réputé. Très incroyable, plus de 50% de dégâts quand on est dans les airs. Oui, bien sûr, je vais sauter tout du long.
Alors, ce qui est dommage, vous voyez, par exemple, là, il y a pas mal de choses, donc je peux reforger, je peux graver. Et là, comme il manque des choses, ben, l'arme était tellement médiocre au début que je peux pas faire grand-chose. Alors que si on en prend une pas trop mal, et ben là, on va avoir plus d'options. Et c'est là où prendre une arme au début et la garder tout du long, ben, c'est pas la solution. Mais, comme je suis un peu nul... je peux ça. Ah bah voilà le Black Bear, le... on fait pirate tout à l'heure. Alors, il faut tirer dans les canons. Comme try ça. Ok, alors attention au tir. Il est shield, le boss. Il faut prendre le boulet qui est là. Aïe! J'ai plus de dash. Faut faire gaffe au dash, parce que dès que vous l'avez utilisé, après vous êtes baisé. Hop, c'est bon. Et on utilise ça. Tiens, pouette. Allez, on y retourne. On fait juste gaffe au tir, là. Beaucoup plus de choses à gérer dans ce combat que tous les autres combats de boss qu'on a fait jusque-là. Ok, ça se passe bien. Il est pas content. Sors le gros chenon. Tirer dans les canons, dans les boulets, pardon. Je crois qu'on peut pas le, on peut pas la smata. Oh, oh putain. Qu'est-ce que... Oh là 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 là. Il a le boulet ? Yes. Ah putain. Allez, 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 allez. Yes. Ce que je vous propose, parce que je regarde et je vois que c'est déjà un run bien assez long. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vais pas vous montrer la fin, parce que c'est pas la fin. Il y a encore donc des choses à faire. Et le reste du jeu est encore assez agréable. Et j'ai pas envie de vous pourrir toute la surprise. Je vais juste, si je me gourre pas, ça c'est la suite, ça c'est la fin. Retour à l'auberge. Je vous montre, comme je vous l'avais dit très succinctement, l'arbre de compétences pour que vous rendiez compte. Voilà, j'ai récupéré des essences d'âme. Voilà un peu tout le bordel qu'il y a à débloquer. Il y a un arbre pour chaque héros. Et après, tout ça, c'est commun aux héros. Hein, voilà. Je vous montre pas plus. Gunfire Reborn. N'hésitez pas, sautez sur l'occasion. Alors certes, il était sorti à 15 balles. Il a augmenté avec, en passant en 1.0. Mais ça vaut le détour. Si vous avez des potes avec qui jouer, regardez, il y a 6 persos. Au début, il y en avait que 2, donc ça a pas mal été développé. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de contenu à débloquer, beaucoup d'armes pour juste vous mettre vraiment l'eau à la bouche jusqu'au bout. L'arsenal, il y a du matos, il y a du bordel à débloquer, parce que tout ça, vous ne l'avez pas au début. Voilà. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez envie de voir un des autres persos. Hein, vous avez vu peut-être, il y a un chien, il y a un lapin, il y a un corbac, il y a une tortue et il y a un tigre. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un de ces noms-là si vous avez envie de voir un run complet. On augmentera la difficulté pour que ce soit plus dur bien évidemment. Et pour ceux qui aiment le challenge, il y a des défis quotidiens, il y a du contenu, il y a des choses à faire hein, pour faire entre potes. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Salut.